Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan livresque du mois d'août 2023. Alors je m'excuse, on est fin septembre, je vous publie la vidéo bilan de mon mois d'août, c'est n'importe quoi. Le mois dernier j'ai fait la même, je m'excuse sincèrement. J'espère me rattraper le mois prochain pour le bilan du mois de septembre. Mais bon, j'ai déjà dit ça dans ma vidéo précédente, donc j'espère arriver à m'y tenir. Je m'excuse, bon, enfin, de toute façon, vous avez l'habitude que ça soit une grande n'importe quoi. Donc voilà, bon, je m'excuse. Alors, cette vidéo, on va continuer en parlant de la petite intro vidéo que vous avez pu voir dans cette nouvelle vidéo. Donc du coup, celle-ci, alors c'est une intro qui a été réalisée par un ami à moi qui est photographe professionnel et qui se spécialise dans la vidéo. Je le remercie beaucoup pour ça, j'ai passé un excellent moment et je suis hyper contente du résultat. Je vais vous mettre dans la bio de cette vidéo le lien de son book, son Instagram, son Facebook, enfin la totale. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et regarder son travail, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des j'aime et des petits commentaires, c'est toujours bon de se soutenir. Et n'hésitez pas aussi à le contacter si vous avez besoin d'une prestation, quoi que ce soit. Lui, il est sur Marseille. N'hésitez pas, il a mangé personne jusqu'à maintenant. Il est très sympa. Donc voilà, je vous recommande si vous avez n'importe quelle prestation à faire au niveau photo ou même vidéo, du coup. N'hésitez pas. Ensuite, du coup, ce mois d'août, donc, est sous le signe du No Buy. C'est une copine instagrammeuse qui a lancé ce challenge du coup août no buy. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, qu'il s'agissait de ne faire aucun achat livresque durant tout le mois d'août. Chose qui a été faite. Ce n'a pas été sans difficulté, je vous l'avoue, car acheter des livres depuis qu'on est sur Bookstagram ou Booktube, c'est très 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 compliqué de se retenir, mais j'y suis arrivée avec un peu de volonté, on y arrive. Donc du coup, pas de book haul pour ce début de vidéo, on va passer directement du coup à mes lectures du mois. Il y en a eu trois. Je vais vous laisser tout de suite avec la première, du coup. Première lecture de ce mois d'août, il s'agit du tome 3 et dernier tome des Héritières de Lowenhof, La promesse de Solveig de Corinna Baumann aux éditions Charleston. Alors, j'ai lu ce tome en lecture commune avec La liberté des lettres. J'ai commencé en LC avec elle et je termine la saga avec elle. C'est tout à fait logique. Ça a été super chouette de le partager avec elle parce que tout simplement, on a eu plus ou moins les mêmes ressentis de lecture tout du long de la saga. Je vais pas vous lire la quatrième de couverture parce que tout simplement, il s'agit d'un tome 3 et je ne veux rien vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, on attaque le roman en 1967, donc en fin des années 60. On va suivre Solveig. On se situe toujours en Suède, entre Stockholm et le domaine de Lowenhof. Et voilà. Si ce que je peux vous dire de manière générale sur la saga, c'est que je l'ai adorée. Si je peux vous donner un ordre de préférence, je dirais le tome 1, le tome 3 qui est ici et le tome 2 en dernier, tout simplement parce que j'ai préféré le personnage d'Anita, qui est donc le personnage principal du tome 1. J'ai beaucoup aimé le personnage de Solveig et Mathilda, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais j'ai été moins attachée à elle que Anita et du coup Solveig en deuxième position, tout simplement. En tout cas, si vous êtes adepte de saga, de fresques familiales avec leurs secrets, leurs scandales, le domaine, etc., etc. Je vous conseille vivement de lire cette saga parce qu'elle est géniale. J'ai beaucoup aimé la plume de Corinna Baumann qui est très addictive, très fluide. Ça se lit, malgré les pavés que c'est à chaque tome, ça se lit très très vite. C'est une plume assez engagée et féministe, vous savez que j'adore ça. Donc voilà.
Oui, je peux que vous conseiller à le lire, tout simplement. J'ai adoré. Je suis un peu nostalgique de quitter ces personnages, mais bon, c'est pour en trouver d'autres, donc c'est pas grave. Puis qui sait, le relire dans un certain moment, pourquoi pas. On verra. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vivement. Allez-y, les yeux fermés, vous allez adorer. Ensuite, j'ai lu Les Malvenus d'Audrey Bruyère aux éditions Seuil Noir. Je vous lis le résumé. 1917, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, un homme est retrouvé mort dans une cave du village de Haut-de-Cœur en Bourgogne. Pas mort d'un excès de froid, de faim ou de vin comme d'autres, mais proprement égorgé. Ici, bon nombre des habitants ont grandi sans autre père et mère que les religieuses du majestueux couvent des Ursulines. C'est le cas de l'inspecteur de police Mathias Lavaux, recueilli tout petit par le couvent. Il est parti faire ses armes à Paris et à Lyon avant de finalement rentrer au bercail. Son talent, il se souvient de tout, tout le temps. Une mémoire parfois lourde à supporter, mais dans ses enquêtes, un atout précieux. La victime aussi est un ancien des Ursulines, Thomas Sorel, bien connu dans les alentours et presque unanimement détesté. C'est le bras armé du très redouté maire. Beaucoup ont souhaité sa mort pour des raisons valables le plus souvent. Dans l'atmosphère crépusculaire de l'hiver interminable qui s'est abattue sur la région, Mathias et son assistante Esther vont devoir démêler les racines du mal, entrelacées depuis des décennies et profondément plantées dans les passions, les vices et les secrets de Haut-de-Cœur. Alors ce roman, je l'ai gagné lorsque la maison d'édition a organisé un concours, il me semble que c'était février ou mars, un truc comme ça de cette année. Et du coup, je l'ai sorti ce mois d'août. C'est le premier roman de cette autrice. J'avais très envie de le découvrir. Le résumé me faisait beaucoup envie. Et en plus de ça, elle m'a laissé une petite dédicace en début de roman. Ça fait toujours plaisir. Donc, je suis très contente de le sortir en fin de m'appel. Alors, pour tout vous dire, cette lecture, c'est une très très bonne lecture. Je suis très contente d'avoir pu découvrir le premier roman de cette autrice que je remercie et les éditions Seuil également pour l'envoi de ce roman. Je suis très très contente de l'avoir découverte. Alors, je vous avoue pour être franche qu'au départ, sur les quelques premières pages, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Alors, ce n'est pas du tout du fait de l'autrice, de sa plume, de l'histoire en elle-même, etc. Non, pas du tout. C'est juste ma faute à moi, tout simplement. Enfin, la faute de ma fatigue du moment. J'avoue que j'ai très envie de lire, mais je suis très fatiguée. J'ai pas trop le temps de lire. Et du coup, ça a un peu péché sur le début. Mais voilà. En fait, pour tout vous dire aussi, c'est que dans ce roman, on est sur un polar thriller historique. Du coup, il y a ce fait que il y a du vocabulaire d'époque, si je puis dire comme ça. Donc, même si c'est pas une mauvaise chose, parce qu'au contraire, j'aime ça, ça nous permet d'enrichir son vocabulaire, de mettre des définitions sur des mots que l'on connaît, mais qu'on n'a pas forcément la définition, et d'apprendre de nouveaux mots, la signification, etc. Et c'est qu'un plus, parce que ça enrichit du coup notre culture et notre vocabulaire. Seulement, il faut être un minimum concentré et la fatigue, c'est pas du tout compatible avec la concentration. Et donc voilà. Mais bon, une fois que je suis rentrée dans l'histoire, tout est rentré dans l'ordre et franchement, j'avais plus trop envie de le lâcher. Même si mes paupières étaient lourdes, j'avais envie de continuer. Bon, certes, je l'ai laissé quand même se reposer et mes yeux aussi par la même occasion. Sinon, c'était même pas la peine. Mais voilà, une fois rentrée dans l'histoire, on n'a plus envie de le lâcher, on a envie de connaître le dénouement, de savoir le pourquoi du comment. C'est un roman très très bien construit. J'ai beaucoup aimé la construction dans le sens où il y a pas mal de retours en arrière. D'un chapitre à l'autre, on passe d'un personnage à un autre, donc on découvre des choses et on en fait certaines conclusions qui au final ne s'avèrent pas forcément vraies sur le moment. On pense découvrir enfin, connaître certaines choses et puis que finalement il s'avère qu'on s'est trompé. Donc ça c'est cool. Elle a su construire cette espèce d'ambiance hivernale oppressante sous neige en période de guerre qui est assez du coup oppressante pour le lecteur et c'est assez sympa. Forcément, vous me direz, pour ce genre de roman, il vaut mieux d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est hyper bien géré dans ce roman-là.
Il y a juste un petit truc, moi, qui m'a manqué à la fin. Le dénouement est très bien, aucun problème. Seulement, il m'a manqué 2-3 pages supplémentaires pour m'expliquer le pourquoi du comment sur un personnage. Je peux pas vous en dire plus à vous parce que sinon je risque de vous spoiler, c'est pas le but. Mais voilà, il y a un personnage où j'ai trouvé que c'était un peu. Voilà, on est laissé là, on se pose encore des questions, j'ai pas toutes les réponses à mes questions et j'aurais aimé avoir ce petit plus à la fin du roman. Mais sinon, c'est une très très bonne lecture si vous êtes à la recherche d'un roman. D'un thriller, d'un polar historique. Je vous le recommande vivement, franchement, il est super et c'est franchement une autrice que je suivrai, je pense, parce que j'ai beaucoup aimé la plume, ça sort de l'ordinaire. Ensuite, j'ai lu L'Astre de la Havane de Marie Compagnon en auto-édition. Je vous lis le résumé. Célestina Casarey est une petite cubaine comme tant d'autres, à une exception près, sa rencontre déterminante avec une ballerine. Dès lors, sous le régime, de Batista, sa passion pour la danse devient une façon de s'en sortir, sa raison de vivre, quitte à devoir tout quitter pour elle. Sous l'ombre d'un porche, confortablement installée dans un fauteuil à bascule avec une abarena diffusée en sourdine, plongée dans la Havane des années 1950 et devenait le témoin d'une destinée hors du commun. Alors, ce roman, j'ai tout d'abord été attirée tout simplement par la beauté de cette couverture. Vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais voilà. J'ai vraiment été happée par cette couverture. C'est mon premier roman de l'autrice. Je sais qu'elle en a d'autres. Il me semble même que celui-ci, c'est son dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense que je vais me pencher dessus de plus près parce que franchement, j'ai adoré la plume de Marie Compagnon. Et voilà pour ça. Alors, c'est une très 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 bonne lecture. On a frôlé à ça le coup de cœur. Alors, je vous arrête tout de suite. Si vous n'aimez pas la danse, passez votre chemin si le livre n'est pas pour vous parce que la danse prend énormément de place dans cette histoire. Ça mélange la salsa cubaine, puisque du coup on est à Cuba, et la danse classique. La danse classique prend d'ailleurs le dessus sur la salsa et voilà, enfin, ce qui est logique puisque ça fait partie de l'histoire. Moi, je pense qu'il m'a manqué pour avoir un gros gros coup de cœur, c'est un tout petit peu plus de salsa, peut-être. Je pense que c'est ça qui m'a manqué, mais vraiment une très très bonne lecture. J'ai adoré l'histoire, le contexte historique, pardon. D'après Seconde Guerre mondiale, en pleine guerre froide à Cuba, sous le régime de Batista, révolution, etc., est hyper bien documenté et hyper bien géré. Avec ce contexte dense qui voilà, prend place aussi au milieu de tout ça. Vraiment, j'ai adoré. C'est une magnifique histoire que je vous conseille fortement. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si vous aimez la danse, si vous aimez. Les romans historiques, voilà, je peux que vous conseiller, allez-y, allez-y vraiment, parce que c'est un roman magnifique. Au-delà de sa couverture, il est beau à l'intérieur aussi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là et j'espère que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite du coup, parce que je pense que la semaine prochaine, je vous posterai le bilan du mois de septembre, puisque je suis complètement à la bourre et qu'on est fin septembre, je vous propose mon bilan de mois d'août, c'est n'importe quoi. Donc je vous publie la prochaine vidéo très vite. À la prochaine, une bonne fin de journée.